Bonjour et sur Banzai Live, c'est le retour de Dead Rising. Regardez où on est, nous sommes. Voilà, incapable de sauter. Parce que on vient de faire une mission. On a besoin de nous à 1h du mat. À 1h de l'après-midi, pardon. Il est 8h du matin, donc on a tout le temps pour faire Victime de la mode. Ça a un goût de poulet, le mari idéal. Donc ça, c'est deux boss. Et ça, c'est... quelqu'un à sauver. Goût de poulet, c'est en haut. Et le mari idéal, c'est à la chapelle. C'est le gros Célestin Puceau. Donc, on va sortir par... Maintenant, on a la clé de la galerie souterraine. Donc, on va pouvoir s'y balader. Ah, c'est exactement ça que je voulais. Mais non, et entre temps j'ai bu ma bière, putain. Ah, saloperie. Est-ce qu'il y a une hache? Et ma hache. Alors il y a la scie à béton avec, le disque. Ça c'est très bien. Il y a un aspirateur avec des assiettes. Non. Non, non, non. Alors ça va avec une fourche. Ça va avec un peu tout. Mais les ventreurs, hein, y a des choses à faire. On va dire que j'ai pas ma bière. On va faire un casque à bière. Bon, par contre, ça fait beaucoup de dégâts. Ah, le bidon d'essence, c'est tellement bien. On va en prendre un quand même pour la route. Allez, je picole. Ah, mais la hache d'incendie et la masse. C'est plutôt cool. Oui, allô? Hey Frank, there's a young man stuck near the amusement park. Il y a un homme coincé dans ton anus. There's a man stuck in Uranus. Lol. Je vais penser que dans Batman, l'Alliance des héros, qui est un excellent dessin animé. Des feux d'artifice, des clous. En Batman, l'Alliance des héros, il y a un méchant qui a le pouvoir des systèmes solaires. Et là, genre, tiens, prends-toi la force de Jupiter. Et la chaleur de Mercure. Et il fait toutes les planètes comme ça pendant que Batman est coincé avec, je sais plus, je crois que c'est Elastic Boy ou Booster qui est avec lui. Et en anglais, du coup, Booster est là, genre, vite. On veut vraiment pas voir le pouvoir de ton anus, quoi. Blague intraduisible, bien sûr. Alors, me serais-je fourvoyé? Non, c'est bien là, c'est pas là, c'est là. C'est à l'intérieur de là. Victime de la mode. Ça va pas du tout. Au moins, on marche plus vite en ce moment. J'ai pas regardé la série Harley Quinn, ça m'intéresse très peu. Je suis très peu pour la putifiction de Harley Quinn en fait. Genre vraiment pas quoi. Et ouais, Batman Alliance des héros, hein, très très bon. La réplique en anglais, c'était « Boy, you really don't want to see the power of Uranus. » Hein ? Bonjour. Quoi ? Aucun genre ? Mais Franck, t'es aveugle ou quoi ? J'essaie juste de vous aider. Quel drame. Ses vêtements ont fondu. Mais c'est quoi le problème ? J'allais chercher les glaçons et nanana, je me suis enfermé. Vous êtes bourré, vous êtes défoncé. Et si un type mignon, un boxeur bien bâti ou même une star du cinéma vous voyez dans cet état, j'en mourrais, c'est sûr. Mettez-vous aussi en sous-vêtements. Une boutique pour hommes près de la galerie marchande. Genre, vous devriez aller là-bas.
Oh putain. Pourquoi, si tu croisais quelqu'un de riche, tu voudrais pas qu'il te voie moitié à poil? Si les mecs tombent amoureux de ta robe, quoi. Alors oui, il y a une critique de Las Vegas et tout, mais ce qu'on en retire, c'est quand même que, genre, les... Je sais pas, les gens sont moins traumatisés. Il y a plein de trucs qui sont moins, quoi. Putain, Molotov. Putain, c'est si loin. C'est si au bout du monde. C'était dans la boutique dans laquelle j'étais, mais ça dit que c'est là. Ah, lui, il est casse les couilles. Hein. Faut sauver un mec qui s'appelle Wallace pour le combo aspirateur et lame de scie. Mais il me semble bien que oui, il y a aspirateur et lame de scie séparément. Est-ce que vous cassez les couilles, quoi? Bah, il a enlevé sa moustache. J'espère qu'après on pourra la porter, hein. Regarde, et là le jeu dit... Fais le tour. Regardez la flèche où elle est. Elle est dans mon dos. Et du coup, quand on la portera, comme on aura une moustache, ça ira pas. On n'aura pas la moustache, du coup, on la portera plus doucement. Oh. Oh. Je suis presque level 1 encore. Hein. Pour en profiter, quoi. ! 76 ! Non mais tue-moi, quoi. On était bien en petit pompier cuir moustache, hein. Je suis le premier d'accord. Hein. Il y a un boss ici qui est casse bonbon. Une salle de combo là, je me demande ce qu'il y a de faire. J'adore ce bruit en tout cas. Huge pipi. Voilà, et là on obtient un nouveau coup. C'est la démarche zombie. Ah oui putain, d'accord, ok, parce que c'est le fameux truc. On avait débloqué pendant qu'on essayait de faire les... En train de me dire que là, il y a ce marmot qui veut se la mettre. On a un chien. Sexy. Ouais, je me sens trop sexy, allons-y. Vous êtes mon meilleur ami pour avoir autant la honte avec moi. Il faut qu'on y aille. Mais elle me suit, j'ai même pas eu le truc. Le sol est genre trop froid, vous voyez genre me porter. Bah, enfin, quoi. Il le dit, quoi. Il le dit qu'il est plus beau qu'elle. Attends, et quand tu regardes pas, elle se montre pas? Ah non, non, par contre, attends, je crois que on s'est mal compris. Je vais vous laisser un truc, c'est ce taser là. La guitare électrique, elle reste. Et maintenant, en plus, on va se traîner le cul. Parce qu'on n'a pas la moustache. Ça perd l'hypopète. Ça perd l'hypopète.
R2 et rond pendant 3 secondes pour faire la zombie walk qui n'est qu'en cas d'extrême urgence se faire passer pour un zombie quoi. Mais en vrai ça va pas révolutionner le schmilblick. Hein. Enlève ta moustache! De la poudre de perlimpinpin de. Ah ouais, là, le manque de moustache se fait grave sentir. Hein. Mais bon, on regarde quand même un petit peu les moulures au plafond. Visiblement, cette grille d'aération, tu vois, on n'avait jamais vu cette texture jusque-là. Flaming Cars. Franchement, tu vois, il y a plein de détails qu'on manquait au plafond, tu vois, dans le jeu. C'est pourtant, c'est entièrement texturé. Hein. Je prends un cocktail Molotov en passant. Je vais moins vite qu'en marchant, ça m'énerve un peu. Pourquoi ? Comment on en est arrivé là ? Ouais, attends, elle peut me monter dessus avec la bouteille de jus d'orange ? C'est un truc qu'elle peut faire, ça. Et il y a tous ces connards derrière moi. Oh, le jeu, il accuse grave son âge. Cette musique, elle est à chier, mais c'est un truc de fou. Cette exécution sommaire. You're a lifesaver. Une partie de son argent de poche. Me demandez pas où je l'avais caché, mais c'est dans ma grosse schneck béante. Vite. Alors, on a débloqué ça. Ok. Officier Barbrady, quoi. Non, le but, c'est quand même avant tout d'être... d'être le plus opti. Après, on peut inverser... si on veut un truc de chaque set, on peut par exemple prendre plutôt les pieds comme ça. Et du coup, remplacer comme ça. Voilà. Nice. C'est... On veut la moustache de toute façon. On peut mettre les pieds Terminator. Attends. Ah oui, non, voilà. On peut avoir la moustache comme ça. La tenue Terminator pour garder les tongs. Mais ça ne veut rien dire. Après, j'aime bien les cheveux ébouriffés. La moustache. Attends, je comprends pas. Okay. Ça reste quand même hein, le plus optimisé, on va dire. Et normalement, cette hache, elle a un nouveau moveset grâce à la moustache de pompier. Pip. Ouais, tenue Terminator, je me l'explique toujours pas. Hein.
La hache, j'ai un flingue. Putain, j'ai pas de bière. Ah, mais attends, il y a une bière en face là. On peut se créer un casque à bière. Et ça, c'est cool. Bougez pas. Bougez pas! C'est plus que fait la tenue en carton. Et la Franco, elle s'y connaît. Sure hope this still works. Ce bruit. C'est bon, t'as écrasé une mouche, quoi. Ah, quelle bonne blague! Attends, y'a pas de bière là? Oh, sa mère la pute. Bon, ce qui veut dire que... Mais c'est que dans 2 heures, rien d'important ne se passe pour l'instant. Stacy me rappellera à la planque s'il se passe quelque chose. Et si dans 2 heures, il faut être à la planque, ça va me saouler. Hein. Mais on a peut-être le temps d'aller tuer... Pour éviter de se taper le cuistot maintenant, on a peut-être le temps d'aller tuer le gros puceau. Des cassettes. Putain, et le pion 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 là, j'en peux plus. Sérieusement, c'est insupportable quoi. Combien de mecs en hoodie on va devoir buter? Tiens, faut prendre le réflexe de s'arrêter dans le vide. Oh. C'est juste là. Il y a une autre, il y a une autre salle de combo juste derrière là. Pas trop marrant. Juste là, là. Dans mon cou. Ça, ça marche toujours. C'est vrai que là, on peut monter. Les gens s'en servent jamais, mais on peut monter. Il y a de la dynamite juste là. Hein. On peut faire des choses. Hein. This is a good one. Alors, si j'ai bon souvenir, c'est de la merde. Si je m'en souviens bien, c'est tout pourri. Par contre, pour la chapelle, j'aimerais bien d'abord aller chercher une arme plus stylée. Et là, on peut faire la fameuse pagaie. Mais du coup, si je veux la pagaie... Ça marche comme ça, les enfants. Essayez chez vous, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein.
Yeah, I like this one. Enfin, ils ont été décimés, quoi. La chapelle, elle est là, là. C'est l'espèce de truc d'amour de mes couilles. Comment ils pouvaient penser qu'on avait envie d'entendre cette musique tous les 4 matins, quoi. Randall, my son, I think you should reconsider. Randy! Father, call me Randy. Get on with it! Do you, Randy, take this woman to me? I do, Father. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Sa main, c'est un jambon, le truc. Tiens, c'est que là je vais me ramener en mode oh! C'est si dégueulasse. You're trying to ruin the happiest day of our lives. Est-ce que c'est assez subtil pour vous? En fait, t'as pas pitié des méchants. Ah mais c'est ça, mais lui en fait faut le tuer à travers. Sinon... Où est ma pagaie? Mais il court plus vite que moi! Allez, je trouve... Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment... Il y a vraiment satire et truc à la con, quoi. Mais il est invincible! Et en plus... Regarde, quand il rush, il est invincible! Ce qui est chiant, c'est qu'il faut jouer avec l'IA qui triche, quoi. Donne-moi ma pagaie!
Il rock trop fort, il rock trop fort, parce que ce n'est pas un mortel. Les vierges, c'est pas bien. Là, tu as la cutscene, elle est à 30 fps, les particules à 60, c'est trop bizarre. Ta gueule, Franck. Saloperie d'acouphène, hein. Ok, that guy had issues. Ah, le morceau de viande dynamite, ok. En vrai, la guitare, c'est vraiment surpuissant. N'aurais jamais cru qu'on voyait se bâcher comme ça. Ah oui. Mais en même temps, cassez pas les couilles. Et la tronçonneuse, c'est pareil, tu peux pas la laisser par terre. T'as vu, il y a un vieux dildo dégueulasse. Et normalement, comme je suis chef, je peux manger le burger rassis qui était à côté, quoi. Chaise plus tabouret. Mais tiens, vu que je peux pas te porter, apparemment, si bon, tu, madame, vaut mieux que ça. Il y avait encore un dildo, quoi. Il avait prévu la bonne soirée, quand même. Ah putain, c'est quand même plutôt pas mal ça. Mais bon. Remets ta moustache. Ah mais de toute façon là faut foncer à la planque. Mais il est une heure dans pas longtemps du tout. Il n'y a plus de zombies, quoi. Il est trop motivé. Lui. Ah oui, d'accord, la troisième attaque, c'est avec le pelvis, quoi. Franchement, elle se défend, hein, Tatiana, là. Mais en fait, ce qui est un peu relou, c'est qu'il te donne des survivants. À chaque boss. Et du coup, c'est un peu la même merde de rentrer, quoi. Parce que tu peux pas enchaîner 2-3 boss, quoi. Ça, il faut quand même revenir, quoi. Merci Rory Raymond. Franchement, les gens s'étaient plaints que. Ils ont. Danny! Danny! Non, 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 non. Mais putain, c'est vraiment tout l'un ou tout l'autre, hein! C'est genre soit c'est des warriors de la vie, soit ils sont en PLS astral, quoi. Ah, c'est fou que les zombies n'aient aucune ombre. C'est hyper marquant maintenant. Oui, bah j'ai lâché la tronçonneuse en même temps. C'est pas non plus la meilleure arme du monde. Faire la pagaie juste à côté.
Alors c'est pas du tout ce que je voulais. T'as vu ce qui s'est passé? L'essayer de mettre son cul, et elle a pas réussi. C'est fou, hein, c'est que le jeu est cruel, mais pas de la même façon. Et là, en même temps, quand on... Regarde. Qui a mappé l'apparition des otages et des rescapés dans le jeu par rapport aux missions principales, quoi? Ça n'a pas de sens. Pourquoi quand tu rentres, il faut encore marcher pour risquer de perdre l'objectif? He's the one behind this. TK? Are you sure? He paid that poor sap to do it for him. But that's not possible. Why would he let his own zombie supply loose? Sap. Mes yeux sont ici. Hein. I'm sure he's got his reasons. So you say. Wait a minute. Is he the one who fed you that tape? Don't be ridiculous, Frank. Allez, je vais prendre à boire. Oh, man, not again. It sounded like it came from outside. Looks like someone might be messing with the casino vaults. I can't tell who it is though. Then I'd better get out there and find out for myself. Now who's ditching who? I don't know if she's really brave or just really stupid. Mais attendez, vous m'avez fait me déplacer pour bosser alors qu'en fait ça aurait pu être un email. Ok, mais raconte pas ta vie. Oh non. Faut aller à chaque truc de casino taper des bouches. Pendant que là, il y a une jeune femme victime de sa vanité. Quart de cercle avant. Encore un gamin en pleurs, cette fois-ci au parc d'attraction. Ça, goût de poulet, le boss. Slappy à Paradise Mall. Et sachant qu'on a toujours... Pour l'instant, on est toujours pas allé voir le tigre. Hein. Mais on va être obligé. On va être obligé pour le tigre. Bon, au moins, le premier, il est juste là. Juste un peu de bouffe en fait. Franchement, le crème à café, je crois que c'est un bon. En fait, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont vendu ça comme genre, ah oui, alors les beat'em up, nanani, nanana. Alors qu'en fait, si tu veux vraiment tout faire, t'as pas le temps de t'amuser à tuer des zombies à l'infini, quoi. T'as pas le temps, vraiment. Tu ne peux pas juste tuer des zombies. C'est faux. Tu perds au jeu si tu fais ça, quoi. Si tu t'attardes sur le découpage de zombies. C'est juste un moyen de nager dans la masse, quoi. Oh, y'a trop de mecs. Meilleure arme.
Mais moi je me souvenais pas que c'était si puissant hein. C'est si dur. Merci Bad Boy Life. Good job on that drill, Frank. But I'm still seeing... Mais en fait, moi j'en ai rien à foutre que le casino perde de l'argent. Ils font leur thune sur la misère des gens. On se fera le truc, le super truc masse mes couilles tout à l'heure. En fait, je voulais. Là, j'ai un fusil d'assaut, ok. Ma guitare, elle est presque morte, mais en même temps, elle est beaucoup trop pratique. Je voulais un casque. Est-ce que je voulais aussi une bière? La bière, pour le coup, il y en a. Pas cool la clé. La thune qu'on a, c'est juste insane. La bière, il y en a un peu partout ici. Dans le Circle Bar. Oh merde, il y a trop de mecs. Regardez, il faut aller. Il faut aller là-bas. J'en veux plus. Pour passer par Royal Flush. Masse H plus chaussette, masse à chaussette. Je n'oublie pas Rasputin. Heureusement qu'au moins, dans cet apocalypse zombie, il aura fallu attendre que tout le monde soit devenu un zombie pour me laisser m'habiller comme je voulais. Au spa, il y a un raccourci. Ah ouais. Oh yeah. Yeah, that works. Le profanateur. Attends, et Fleur Fanée, là, elle vient de perdre 10 000 trucs à elle toute seule. Après, je trouvais ça assez original, le fait qu'il y ait un objectif qui soit partout à la fois, quoi. L'objectif Fleur Fanée, il vient de mettre la pression. Il y a bien le casino juste derrière, là. Genre, t'as pas le temps de taper, de tabasser des zombies, quoi. Y'a trop de gens, quoi. Tu donnes à boire à la fille, elle t'indiquait le raccourci. Quelle fille? Quelle fille? T'es sûr qu'on a eu le temps de le faire, ça? C'est pas plus tard? La fille du spa. Non, on l'a pas vue encore. Ah, mais la guitare, je retiens contre les mecs. Vous avez vu combien de balles il faut pour les tuer, hein. Mais bordel!
C'est pas fluide en fait à jouer, quoi. C'est vraiment. T'as vu ce bordel ? C'est super bête et méchant, quoi. Devoir avoir $1,000,000 pour la prochaine mission, quoi. What's up? TK is still moving in heavy equipment, and more of those thugs are showing up as well. I'm worried, Frank. De l'huile de moteur. C'est juste des valises vides, ça. C'est une souffleuse. Moi, on fait le plein de flingues. Il y a des vrais tasers pour le coup. Pizza! Et non, putain, je voulais pas boire ce café. Bon, en soi, j'ai de quoi me soigner. Je vais prendre des flingues juste. Si je prends la truc, okay. Putain, faut monter à l'autre. Pendant qu'il y a le vieux ici, pendant qu'il y a la fleur fanée là-bas, plus Slappy, plus machin. JPP. L'affaire, c'est qu'on va sauvegarder à Palissade. Sinon, je vais devenir chèvre. Fleur fanée, c'est la fille du spa. Oh. Donc c'était bien du spoil. Je vous aime, 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 désolé. C'est écrit sur ta mission. Oui, mais que quelqu'un dise genre, ah mais attends, la fille du spa, tu lui donnes à boire, elle te montre le raccourci. Genre, j'avais raison, c'est bien plus tard qu'on apprend ça. Ah mais vous avez besoin d'amour. Hein. Slick. Moi, tu peux ouvrir des portes. On est d'accord que ça, ça vous manque. Hein. Ladies man. Il l'a acheté où? Elle est où l'arme?
On profite tellement pas assez de cette musique. C'est la meilleure de Two Dead Rising, quoi. La plus emblématique. Tellement frame perfect. Parce que là, si je me retrouve avec une gourgandine qui me suit, ça va être chiant. Bon, le skateboard est foutu, ok. Hein, je le vis bien. Merde, attends, Slappy, c'est juste en dessous. Je veux pas me taper Slappy maintenant. Okay, somebody tell me, is the Venus touch a good touch or a bad touch? Wow, those are some tan lines. Je peux voir le drame. Je peux vous aider? Oui, vous êtes cuite, lol. J'ai besoin de boire. Alors, c'est du vin. Je connais un raccourci du côté sud de Fortune. Je travaille à Brand New You à l'étage. Emmenez-moi là-bas, je vous montrerai le raccourci. You have got the lobster look down. Oui. Kuchi kuchi ku. Attends, elle travaille à Brand New You à l'étage. Oui, c'est là, ok. Attends, mais du coup... Le passage de Lynette. C'est ça. Bon, moi, c'est de l'autre côté. C'est à l'opposé. Très bien. On y sera en arrière de temps, mademoiselle. On va juste éviter de passer devant Slappy. En vrai, le 2, je l'ai largement pas autant exploré, quoi. Parce que comme de toute façon, tu peux tout faire d'un coup, t'as envie de tout faire d'un coup. Et donc, t'explores moins. De toute façon, c'est pas un roguelite. C'est à Brand New You, en haut. Et t'arrives direct à Royal Flush pour rien. Ah ouais, pas mal. Ouais, c'est bien ça. Dans les chiottes de Royal Flush. Les chiottes pour hommes de Royal Flush. Porte ouverte. Mais pourquoi ça? Ah oui d'accord, c'est bon là, genre c'est comme si elle était déjà sauvée quoi. Putain c'est cool, ça permet de traverser la map tout de suite quoi. J'avais totalement oublié ce raccourci.
Merci d'éteindre la musique parce que c'est vraiment trop bien. Je suis content qu'on ait des cuissardes, ça manquait grave. Et j'imagine qu'il n'y a pas d'aloe ici. À l'huile de jojobi jojoba. Après... Il y a vraiment un style joueur du grenier que... De toute façon, je le sais, mais pépé. Les filles ont souvent 24 ans. Hein. En même temps, aller à Las Vegas avant ses 21 ans, ça sert pas à grand chose. Et y aller après ses 40 ans, c'est juste triste, quoi. On va dire après ses 50 ans, quoi. Donc, ouais, en vrai, c'est quand même pas mal branché. Soit vieux croulant qui branche sa carte bleue direct sur la machine, qui passe sa vie, soit jeune fou qui aime claquer de la thune et picoler et se taper des escortes, quoi. Beaucoup quand même ça, quoi. Je suis pas dingue hein, de la débauche des faits, enfin de la débauche de Las Vegas. Hein, parce que c'est beau quand t'es au 50e étage d'une belle suite, etc. Mais c'est pas pour ça que la bouffe qu'on va t'apporter si tu commandes alors que ça coûte 50 balles le burger est bonne quoi. Pour ça il faut aller dans d'autres restos. Alors il y a des super bons restos. Mais genre il y a toujours. T'as l'impression qu'il y a toujours une arnaque quoi. Parce que t'es dans un Disneyland, donc t'as les mêmes prix que dans un parc d'attraction quelque part. Bon, est-ce qu'on fait quart de cercle avant là? Ou est-ce qu'on essaie de finir? Merde, non, mais ce que je voulais, c'était surtout un skateboard. Alors après, oui, il y a des trucs qui peuvent être délirants si t'as de la thune. Genre, t'as des pistes d'essai pour des supercars, t'as des stands de tir où tu peux tirer avec vraiment tout l'arsenal... L'armée américaine. Oh là, ça me va plus du tout. Oh, ça me va plus du tout. Bon sang, le poids, quoi. Mais ce dadbod, là, il est... Là, il y a une salle de combo, putain, on n'y a jamais foutu les pieds. Ce dadbod, il est assez rare dans le monde du jeu vidéo, hein, quand même. Hein. On peut en parler, hein. Donc, attends, il y a Slappy là. Et le Yucatan ici, ok. De toute façon, sauvegarder n'est plus du tout une question de quoi que ce soit. Parce que de toute façon, ça sauvegarde tout le temps. Donc, beaucoup moins de... On va pas se. Voilà, on va pas stresser quoi. Attendez, attendez, là y'a pas la tenue du joueur du grenier. Ah putain, par contre y'a le mankini de Borat. Mais non, mais non! La combi de surf. Oh mais non! Dang! Ça s'est remarqué Bob de touriste quoi, c'est vraiment la honte quoi. Non, il n'y a pas de truc, vrai truc hawaïen! Regarde, ils nous font rêver avec toutes ces... Et là, il y a le mankini, ouais. Non mais ça peut pas être Twitch safe. Oh, ce boule! What the fuck? Non, c'est pas du tout le même centre commercial, c'est juste qu'il y a pas mal de boutiques qui sont vachement inspirées quoi. On va dire. Au lieu d'essayer de se taper le boss, on va aller...
C'est dommage hein, qu'ils aient pas réussi à faire en sorte que tout se stream. Sur Dead Rising 3, c'est un luxe vraiment. T'as l'impression de rêver quoi, de jouer un Dead Rising sans temps de chargement. Et surtout sans zone, parce que du coup ça aide pas à se projeter ou à mapper toute la truc, parce qu'en fait tu penses vraiment plus que par zone. Quoi. Alors j'ai l'impression qu'il y a un mec qui tire mais sans tirer. Oh putain. Ah ben là lui il meurt. Donne-moi ce fusil là. Ouais, et hey, any leads? Frank, those men have already drilled through the wall outside the Atlantica Casino. You have to stop them. Hurry. Tu vois, elle dit genre vite, dépêche-toi, sauf que quart de cercle avant. Quand est-ce qu'on avait le temps d'y aller? JPP moi, on peut passer par la on peut passer par les trucs. On peut tester. C'est derrière. Non mais Clint Rockfoot, il est dans tous les films. Wicked. Encore largement le temps pour la course à l'oseille. Mais oui, mais elle me stresse! Parce qu'on sait pas. Parce qu'en fait, maintenant qu'on s'est softlock sur une mission, on ne sait pas si en fait. Le prochain event, c'est pas un truc qui dure plus longtemps, et du coup, si t'essaies de maroufler au dernier moment, en fait, tu seras mort. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est relou. Une porte ouverte, c'est pas aussi un raccourci? Non. Ou alors, faut attendre de les bloquer, mais je crois pas. Par contre, s'il n'y a pas de véhicule, on va être dans la merde. Yes. C'est pas non plus une moto, mais ça fera le café. J'arrive. Surtout si c'est une mission sur le thème de Street Fighter. Alors. C'est pas à la sortie, ni à la deuxième. C'est la deuxième sortie sur la gauche, ok. On me ferait un gros virage et puis après je me le. Je sais ce qu'il faut faire. Yeah.
Attends, elle va peut-être plus vite celle-ci. En plus, il y a une moto juste là. Oh, le mec est juste là. Là, il nous offre quoi? Gemme, aspirateur. Ah, et du coup, tu peux faire. Mais en fait, cette arme, elle est pas du tout inventive, quoi. C'est vraiment... Voilà. Et du coup, c'est juste ça. Un truc qui tape comme ça, vers le haut. Oui, je suis jamais content. Eric, je suis entouré de PNJ, lol. Je suis entouré de PNJ. Merci beaucoup, j'ai bien cru que vous avez participé à mon dernier tournoi. Putain, mais c'est Luffy, quoi. Good stuff. Non, il a pas de lunettes. Les championnats de jeux vidéo de Sortie City, je suis le favori dans de nombreuses compétitions. Les championnats de jeux vidéo, ça a l'air sympa, mais si tu veux pouvoir continuer à utiliser tes pouces, tu devrais mieux me suivre. Super, on va former un groupe. D'habitude, je joue, mais il vaut mieux peut-être jouer en coop sur ce coup-là. Je comprends rien à ce que tu racontes, parce que moi, en fait, contrairement aux apparences, je baisse des nanas, vois-tu? Pourquoi j'ai quelque chose à lui raconter alors qu'on s'en fout en vrai, quoi? Tu peux prendre ça? Non. Tu peux prendre ce flingue? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais te donner un sac à main. Ça te va mieux. Et maintenant, il faut tuer le cuistot, Fissa! Mais t'as pas le temps de tout faire, c'est tellement relou! Parce que là, l'avantage c'est qu'Uranus, on peut sortir directement là. Ça, je sais pas ce que c'est là. Ah putain, ça c'est la. Ça c'est la mission quoi. Donc si je sors avec Luffy dehors là. Faut que je contourne pour l'amener chez le cuistot. On est suffisamment proche de la sortie là. Let's move.
D'accord que c'est ça l'entrée, c'est ça la sortie, hein. C'est pas l'espèce de toboggan bizarre. À moins que si. Si, c'est peut-être ça. Quick, follow me. Merde. Oh, il a l'air nul. Oh. Ouais, bah, c'est cool, il se téléporte. Ça va faire de la merde là, ça, je sens que quelque chose va m'énerver. Alors je fais le grand tour pour aller directement en Royal Flush. Attends, si je voulais... Le vieux il est là, mais du coup, de toute façon il faut rentrer par le casino quoi. Ça va être si coton pour... Ça va être super chiant. Let's go. Mais pourquoi il a fallu qu'il soit si nul en fait le gars, c'est abusé quoi. On devrait pouvoir juste porter tous les gens. Reste là. Juste sauvegarder sur une sauvegarde tampon. Mais il y a encore des mecs! Mais c'est vrai qu'on n'a jamais réussi à ramener un PNJ après un boss, quoi. Donne le fusil au PNJ. Mais non, mais lui, quand tu donnes le fusil, il fait que tomber. Ça marche zéro. On va passer par le centre, là, parce que c'est abusé. T'as vu? Pourquoi il monte pas sur le fauteuil? J'en peux plus de ce jeu! Vous avez vu le zombie qui s'est suicidé? C'est un calvaire, hein. Hey, I'm waiting on you. Come on, speed it up. Spot anything? Frank. Mais elle est encore en train de nous donner une mission, j'en peux plus. Sight, which is sound, which will struggle, which will shatter, you shake,
Mais on se fait tirer dessus par les mecs. On se fait tirer dessus par les gars du casino. Merci Saito, l'ami du muse. Reste là. Reste où t'es, tu vas te faire buter. Bah Eric a fui. Putain, je suis ravi d'avoir été le chercher quoi. Même la musique, je la trouve trop californienne. Je trouve qu'elle a pas le même côté violent, quoi. Et voilà, et là on va dégobiller parce qu'on s'est soigné. Du coup, on va perdre nos points. Allez, encore un coup. Donc on va gerber. Ah oui, le... Oh mon dieu. Ah, la coop du sapin. On s'en fout de prendre la photo, c'est 5000 pp maxi... C'est 2000 pp maximum contre lui. En vrai, ils ont mis la photo, mais en méga accessoire, quoi. Mais est-ce qu'on peut récupérer Eric? Je suis en train de vomir dans la bouche. Un par et c'est gagné. Une femme armée d'un club de golf repousse les zombies. Putain. Comment on fait du coup? Putain, il lâche les trucs en plus quoi. Fœtus plus utile que Eric quoi. Ficus. Pourquoi fœtus? Ficus. Mais on avait plus le temps de pas faire. Et là le mec il va juste rester là à se faire victimiser quoi. Je comprends plus. Regarde où ils sont. Oh. Vraiment dur cette deuxième journée du jeu. Hein. Oui, j'ai vu Mireille. Plus de santé, enfin. En se flingue. La vie passe à 8.
Normalement, là, si je fais... Voilà, je perds pas de vie. Et là, je vais pas forcément avoir le temps de les sauver, à moins que j'arrive en tutut, quoi. Enfin, de faire le cas, quoi. Par contre... T'sais, le mec il vient de me voir juste à ça. Mais putain! Ça sert à quoi que je file? Donc j'espère il a fait 2 mètres en fait. C'est ça le truc. Genre le mec je lui file un flingue. Mais prends un couteau, de cuisine, ouais, ce sera mieux pour toi, j'espère. Hein. Il y a même pas l'event où les mecs ils se prennent dans leurs bras et tu prends la photo parce que c'est un scoop. Tiens, tu vas prendre ce coup près. En vrai, ça fait vraiment très très mal. Hein. Et là, karatéka, cambriolage de l'Atlantica, il va falloir y aller quoi. Donc ça veut dire sortir par ici et puis bourrer. Peut-être mettre les potes dans la safe house le temps qu'on fasse ça, mais c'est du management quoi. Non. Il me semblait qu'il y avait un fusil à pompe. J'ai rêvé ou pas qu'il y avait un fusil à pompe dans une des trucs, comme ça tu prenais la fourche et le fusil à pompe. Peut-être hein. Putain, il faut vite que j'aille chercher de la bouffe pour Jasper, parce qu'il est en train de crever. Mais il perd trop de vie trop vite quoi, hein. C'est n'importe quoi. Ils viennent... Putain! Et Cindy a fui! Mais merde! Ils rendent fous, quoi! Comment gérer tous ces tarés, quoi? Ils sont trop mauvais. Oh oui. Comme Omar, tu me comprends au moins quoi. Putain, comment ils servent à rien, mais c'est tellement rageant. Et moi putain de. Mon putain de crucifixeur là, il est mort, il est explosé, alors qu'il tuait les ennemis en un coup. Et les trucs auxquels on n'a pas le droit quoi. Pas le gros bonheur quoi. Encore une fois le couteau à beurre. Plus puissant que moult choses. C'est super pointu. C'est si dur. Comment on repart? Parce que ça a l'air impossible avec un débile pareil, quoi. Ah mais attends, il y a de la dynamite là. C'est pour ça que l'arc est intéressant.
Let's go. Mais de toute façon, genre un coup ils sont divins et un coup c'est des grosses victimes quoi. En fait, le problème c'est que effectivement le quick save c'est du cheat par rapport à Dead Rising, mais en même temps ça ne fait que corriger les énormes problèmes d'équilibrage et d'IA du jeu quoi. Jasper, j'étais mort d'inquiétude. Tu sais, il est juste là. Je crois qu'en fait elle a une poêle à frire de base. Non ? Elle l'a ramassé où ce truc ? There's a woman in the underground and a few of TK's goons are shooting at her. She needs help. Like, okay. Alors, il y a un truc de combo là, mais en fait c'est qu'en sortant là, il y a re du people ici. C'est ça qui me rend zinzin. Let's rock. Lost. Keep up. Mais le cambriolage qui prend trop de temps! D'accord, mais vise aussi quoi, enfin je sais pas. Tout ça pour ça quoi. Maniez-vous le train. J'en fous plus de votre gueule. Il vise exprès à côté quoi, et il me fout des coups de pelle. Tout ça pour 4 flèches, ils pouvaient pas en donner 6 quoi. Mais non, mais il y a encore des mecs là. Oh. De batte de baseball quoi. Damn it. Ah, tirer sur les bouteilles de gaz, ça aurait fait le café. Merde. C'est dégueulasse cette cinématique. Et toi t'es là. Tu m'as regardé faire.
Mec en jaune, c'est des braqueurs. Le montage est incompréhensible, mais quel instant. Ouf, chaud. Comment tu peux résister à ce dad bod et à ses poils? Touché, Frank. You need me to stick around and stay on top of the story. You do come in handy. Ah ok, d'accord, donc le traducteur a dit j'en ai rien à foutre des sous-entendus sexuels. Je vais traduire la version bonne sœur quoi du dialogue quoi. A meeting with my source tonight. I think maybe it's time you met. Oh yeah? I guess I'm not such a burden anymore. I think this is kind of a special case, Frank. I'll meet you at Benny Jack's in the Americana. Wouldn't miss it. Tan 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 da da. Prochain cas. À minuit. Et il est... Je sais pas quelle heure.